Et yo yo yo, salut à tous, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo YouTube qui marque le début d'une nouvelle aventure sur cette plateforme. Ça y est, on se lance. On a déjà l'habitude de se retrouver tous les jours quasiment sur ma chaîne Twitch. On joue à Apex ou à Valorant, soit seul, soit avec Marigo. En tant que première vidéo sur cette plateforme, on a choisi de mettre Bonne Game. On l'a faite pendant l'événement des retours des premières versions des maps de King's Canyon et de World Edge. Par la suite, on pourra retrouver des vidéos relativement similaires à celle-ci, ou encore des best-of ou plein d'autres types de vidéos. Durant celle-ci, vous pourrez retrouver de l'humour. On essaye quelques tips en tant que Raceman et surtout du bon gros gameplay comme on aime. Voilà, je pense avoir fait relativement le tour. Je vais vous laisser sans plus attendre avec la vidéo. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne, ainsi que de liker et de commenter. Ça aide énormément pour le référencement de la vidéo. Les retours constructifs seront pris en compte dans les commentaires. Et voilà, merci, enjoy la vidéo, des bisous. Fondamentalement, de mon point de vue, en tant que joueur, ce que tu vas faire en jeu, ton decision making et ce qui va découler de tout ça, ça va découler de tes capacités en jeu, ta vision de jeu, ton aim, etc, etc, etc. Une personne qui n'a pas les mêmes caractéristiques que l'autre personne va forcément jouer d'une manière différente et faire des choix différents, tu vois ce que je veux dire? Il a qu'un seul. Il a cancel. Hihi. J'avais capté qu'il avait cancel. Fuck, mon wall jump. Bien joué ça. Plus de gens, vite, donnez-moi des gens, je veux mourir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je me meurs. Yo Cruzard, la fin que t'as vu, comment tu vas? Crous, pardon, comment tu vas, Crous? J'attends toujours mon Crous, ouais, si tu peux bouger le cul. Non, le loyer c'est pas tout seul, j'ai pas du Crous, mec. Tu dors, mec, tu dis 7 ans, donne-moi mon Crous, en fait, casse pas les hein. Merci. Dis, I can't no more. A few moments later. Bah oui, j'ai 17 ans, Runbok, tu crois que j'ai quel âge, mec? Salut, je suis chaud au jeu, mec. Vous pouvez faire une petite donation de 1000 euros, mec, ça me mettrait bien, merci. Ça mettrait la daronne à l'abri. Je suis coco, hein. Tu me donnais quel âge? C'est tendu, c'est tendu, c'est tendu, je l'attends. Coucou. Je
je t'entends mec, c'est bon, chill, j'arrive. Vas-y, je t'entendais mec. Ah, derrière encore. Petit tips pour les joueurs de Vrace en herbe que j'aime bien, je sais pas si ça a été dit, je sais pas si c'est connu, ça coule de source en vrai de vrai. Mais même deux tips. Quand vous pouvez être chase, ça peut être intéressant de TP comme j'ai fait, mais dans le sens où à la fin du TP, tu cales un wall jump. Le wall jump va te permettre de garder ton inertie, ta vitesse, et donc de continuer à mettre un trou à l'ennemi. Sachant que si lui prend le TP, il va pop mid-air et tomber, et il aura pas la même inertie que toi t'as en faisant ton wall jump. Ce qui te permet bah de creuser l'écart en fait, tout simplement, hein. Genre c'est simple, hein. Genre, voilà, pas compliqué, hein. Deuxième tip un peu plus compliqué, je l'avais déjà fait mais j'avais struggle, c'est sur World Edge. J'avais mis un TP pour recover une bannière, et à la fin du TP, genre à une centaine de pourcents, non, un peu moins de 100% parce que 100% c'est le maximum, je suis con quoi. À 85%, tu cales en wall jump, ton TP va se mettre mid-air, tu récupères la bannière ou tu fais ce que t'as à faire et tu reprends ton TP en recalant un wall jump. Ça te permet de pouvoir prendre ton TP et le mec en fait il va être là en mode le TP je peux pas prendre le TP. Voilà. Des tips qui peuvent être pratiques, très très pratiques, même life changer. Game changer plutôt, bien utilisé. Ouais, mais bloquer la porte ou un accès avec le TP, c'est pas si pratique que ça. Parce que si t'es pas pixel perfect, et qu'admettons t'as un mate qui... Wow, c'est chiant cette merde. Tu bloques ta porte et y'a un mate qui veut rentrer ou sortir, il prend le TP, tu peux te faire incendier pour de la merde. C'est chiant. Du coup, t'as des moyens plus viables, on va dire. No way, ils vont pas me trouver mec. Oh, t'imagines, trouve-toi. Oh, je vais même voir s'ils me trouvent pas. Bruh. Wesh. J'ai miss. Sans tap strafe, c'est compliqué de le caler dans les airs et de revenir. Ah bien, et toi Flocon mec. Mais attends, quoi?
J'ai tué dans le coin le mirage, non? Who's are you? Moi c'est l'inverse, le golden backpack c'est au JB de l'avoir mirage. Je sais que des fois tu veux pas donner ton loot parce que c'est ton loot, mais là il t'aurait sauvé la vie mec. Tu as vraiment quand tu viens push mec avec ta vie, vas-y push moi mec, push moi. Si vous voulez farmer des dégâts, c'est comme ça qu'il faut faire. Tu mets assez de dégâts à un mec qui te push pour le mettre out et lui couper l'envie de te push, mais tu le laisses heal back, genre, tout simplement. Merde. Il est sérieux lui? Que je le joue contact si Melo je suis dans la merde. Wait, toi? Mais qu'est-ce que tu fais mec? T'es hors zone? Allo? Quoi? C'est zone 3, il est sérieux? C'est zone 4 gros! Comment il a encore envie lui? Eh, comment t'es en vie toi? C'est quoi ce cheat là? Vie infinie là? Hein? Ouais, j'ai ping la poule pour mon mate. Il va se mettre bien hein. Qui va mettre. Nade. Stonks la nade. Sans dégâts en moi parce qu'ils l'ont fini ces connards. Yeti téléphone maison. J'arrive mec, attends-moi mec. Elle est morte la loba de la zone. Qu'est-ce qu'elle a fait? GG. J'ai pas des lobbies comme ça, moi on a tous les mêmes lobbies vu le tanker. Une fois que t'as éliminé l'early game et tous les mecs qui rush et qui veulent faire des grosses games, bah, il reste que les mecs comme ça quoi. Mais il faut survivre à l'early game, c'est tout. 5k5, ça va sur YouTube ça les gars. Pouce bleu YouTube.